pas trop ça, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Alors, Nico ? Coucou ! La caution, là, pour ça. Le classique qu'on vient de poser, c'est une dinguerie. Faut avec Michel. Sur un tcha-tcha, Nicotine et Elsa Boire. Il est là-bas, Michel, regardez. Regardez, regardez comme il est trop beau. Sérieux, vraiment, c'est le youtubeur le plus beau du monde. Il est trop beau. Ça se bat avec Inoxtag. Inoxtag aussi, il est trop beau. Mais regardez, regardez le charisme qu'il a. Et même en soi, le petit boule. Le Yuki, là, même. Yuki aussi, il a un bon bout, tu vois. En plus, il a pris un chat albinos comme quoi raciste. Les gars, Michou, il est pas raciste. Ah, je stresse un peu. Hein. Mais je crois que je vais lui dire bonjour à la caméra. Mais je stresse un peu. Bon, allez, les mecs, on y va tranquillement. Non mais toi t'es pas venu pour danser là. C'est bon, on y va. Bonjour à Michou, les mecs amis. Ça va, la pression est redescendue? Ouais, mais je vais jamais me relaver la main là, c'est mort. Je vous montre juste un avant-goût de la chaleur qui fait là-bas. La veste, pour l'instant je peux pas l'enlever, elle est collée au corps là, donc la caution là pour ça. Comment ça se passe? Bon, pas grave les mecs, c'est les aléas du direct. Ça fait quoi si je l'enlève? Là on voit pas. Là on va commencer les répètes. Hop les... T'as vu ou pas? Ah ouais. Bon, les mecs, c'est le temps d'aller s'entraîner là, on va aller se changer un petit peu. Là les mecs, je vous présente l'entrée de Dals. C'est marqué ici en plus. En bien gros, caractère 129, je suis à un bon étage. Là c'est tous les gagnants de Dals. L'officiel, hein, parce que nous c'est le Dals intérim. Regardez-moi ça, Kayan Taïk là-bas. Par contre, il y a un truc qui est choquant. Fauve, elle est là. Triplé les gars. Peut-être la nouvelle Messi finalement. Bon, heureusement, on va garder le même t-shirt. Bon, un petit peu mouillé, il est un petit peu plus lourd, mais bon, c'est pas grave. On va continuer à transpirer dedans. Ce soir, bien évidemment, je vais pas prendre ma douche comme d'habitude. Je reporterai à demain. Mais voilà, les mecs, on va changer et on se retrouve directement pour aller danser. Je sais pas dans quel studio je m'entraîne. Celui-là, il est quand même pas mal. Je m'entraîne dans quel studio, moi? Bon, deuxième recal. On change, on va aller dans le studio 2. Je l'ai pas encore fait, celui-là. Pas encore montré comment ça groove là-bas. La personne avec qui je bosse aujourd'hui. Attention, parce que là, ça sent encore pas très bon, là, des aisselles. Oh, putain. Attention à pas te tuer. Là, j'ai montré une fille à la Corée. Vas-y. Non, non. Tu reviens ou pas? Oui. On a pas beaucoup de temps, on a une année. Je t'en juste, tu prends des passes. Mais arrive, t'es Tout juste. Et là, elle est au ralenti, là. Là, elle est ralenti. Mais ça va, t'inquiète pas, ne stresse pas. C'est dur, les mecs. Mais t'as quoi vous pensez quand tu vas devant? Dis-moi. Quand t'es petit, tu fais pas gentil, toi. Tu fais ça. T'as déjà fait? Fais ça! Je manque en pleine danse! Mais fais ça! Fais ça, ça marche bien! Ok. Ah, vous êtes pas prêts les potos, ça. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je me transforme en Super Saiyan en ce moment. Je me transforme en Super Saiyan, c'est fini pour vous, finito! T'as vu un peu comment ça s'est passé là? C'était un peu mieux, non? C'est bien! Progresse! Je vais prendre de l'eau carrément, tellement je suis heureux, je vais prendre de l'eau, dédicace à la Somalie! Mais prends pas la patience non plus! Ouais, pardon! C'est vrai. Mais en fait, ça commence à aller mieux là! Ça va mieux! Là, on va aller regarder c'est la concurrence. Critiqué. Hein? Vraiment critiqué. Oh, je vais être un gros chien là. Il n'y a pas de ralentir. On c'est de la merde, c'est de la merde. Là, regarde, elle tourne et elle est dans le public avec un panneau. Anthony, danse avec moi, machin, s'il vous plaît. Machin, j'arrive, je viens la chercher, tu fais moi. Tac, on arrive et hop, on démarre la choré. C'est quand même pas mal. Vous passez avant ou après nous? On va faire un panneau nous aussi alors. Oh là. Non, c'est bien. C'est quand même pas mal en vrai. Hein. Oui, franchement, c'est lourd. Hein. Ça va? Ouais. Après, on monte. Merci. Ça va la forme? Cool. Ouais, bah écoute. C'est ton premier jour? Non, mon troisième. Mais en sachant qu'on a fait une heure et demie lundi. Donc en vrai, c'est le deuxième vrai jour. C'est dur ou pas? Oh, c'est chaud. Hein. Ah, j'ai rencontré un fait. En fait, c'est. Bah, tu sais, maintenant, c'est qu'à passe de bas, genre. Vas-y, monte, bah, tu vas te faire. Je vais te faire l'exemple. Vas-y, monte, tu vas te faire. Marche, le capuchon et le balai de ton cul, s'il te plaît. Ça commence, ça change. Ça va changer là, Ça va, t'aimes bien les en coach. T'aimes bien. Ah oui, moi, franchement, ouais. Mais en fait, des fois, tu vas faire deux pas. Oui. Ça va crier, j'ai l'impression que t'as fait un très beau fond. Je peux voir un peu. Ah ouais, vas-y. J'ai vraiment envie de voir. Vas-y. Ne te mets pas la pression, toi. Non, même pas.
Ouais, là, je kiffe. Quand je sais que là, je vais rentrer chez moi, je vais danser, je vais me taper un peu sur mon canapé, mais ça va envoyer. Tu l'as vu, je pense. Je devais réviser, mais tu sais, à côté, moi, je fais des lives sur Twitch un peu aussi, donc j'ai pas pu... Il y a des devoirs, normalement, il y a des devoirs. Ouais, ce matin, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs sur la terrasse, le voisin, il voyait comme un fou. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut, merci. Ciao, merci à vous. Il nous reste encore quasi plus de 10 heures. On vient de terminer le training. Le classique qu'on vient de poser, c'est une dinguerie. Franchement, aujourd'hui, on a bien avancé. On passe presque toute la cour en musique, donc ça, c'est cool. Même s'il a eu un gros coup de mou en début de séance, il était là, je vais pas y arriver, les autres sont en avance, moi, je suis en retard. Là, vraiment, je suis rassuré. Tout à l'heure, je faisais le miskin, j'étais comme ça, mais je vais jamais réussir, ma vie, c'est de la merde. J'ai pas connu mon père, enfin, rien à voir, mais bon, je suis prêt pour la suite. Non, franchement, il a bien progressé. Il a repris confiance en lui, ce qui est le plus important. Maintenant, il faut qu'il arrive à s'amuser sur la choré. C'est la prochaine étape. Faut qu'on arrive à la finir en choré, qu'il s'amuse. Black Amy lui a donné des super conseils. Le fait de la vivre, le fait de vraiment être investi à 100% dans chaque pas. Donc voilà, il reste du boulot, mais ça va le faire. Mais franchement, je pense que je ne peux plus rattraper. Les deux premiers soirs, je pense qu'elle avait envie que de mourir. Là, je pense qu'elle a peut-être envie de se réanimer. Mais en tout cas, ça fait plaisir, les mecs. C'est une expérience de fou. Et voilà, on va poser un vrai classique lundi. Ça quittait même pas. Et après, concours de portée. Forcément, le but, c'est de pas être dernier. Parce que ça va être un classement. Donc on va essayer de faire un beau portée. Et en plus, il en a les capacités. Faut qu'il se fasse confiance et ça va aller. Et d'ailleurs, merci à Black M d'être venu, de m'avoir donné des conseils. En plus, j'ai capté un truc. Je lui ai dit, ouais. En même temps, hier, j'étais en stream. Il m'a dit, ouais, je sais. Je veux pas de sub, tu te subs pas Black M? Bon, c'est pas grave. On est en train de te donner les sous avec la SACEM, la Doati by Night. En tout cas, merci d'être venu, merci à tout le monde. Mais le mec, je suis que motivé là. Voilà l'équipe, j'ai un invité spécial. Il est juste ici, mon petit ref. Oh, regarde-moi ça, timide. Il est kawaii. Et par contre, regarde, lève-toi, regarde sa taille. Regarde sa taille, il a 12 ans. Il a 10 ans? 12. Ah. Mais quand même, moi je suis finito. Je suis plus beau que toi. Lui? Ouais. Je vais regarder sur le coiffeur, tu vas voir. On va faire un bon petit basket. Le non, basket non, des familles. Quoi? C'est ta coupe préférée, non? Le vendredi 8, dernier jour des entraînements. Normalement, c'est carré aujourd'hui. Vous allez voir, il y aura un petit pas. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais bon, n'en parle pas trop. En gros, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a Bouzy et Alizé Bois qui font du tcha-tcha aussi. Ouais. Et moi, je pense qu'en privé, ça doit quand même s'envoyer. Bon, il est comment ton binôme? Oh, il pue. De fou, trop nul. Ah ouais, le mec est encore plus nul. Je pense qu'il va avoir des trucs comme ça en privé. Non. Non. Vas-y, fais tes marches plutôt que de bêtises. Pas de talent. Saute pas. Non, marche. Le que step. Attends, refais-le toi. Comment ça se passe fluide comme ça? Marche. Le que step. Le que step. Ah ouais, je capte en fait. Mais c'est un mec, je te jure, il marchait comme ça. Et bah marche comme Martin. En plus c'était un beau gosse, un blond. Il y avait toutes les meufs à l'époque. Ah ouais, c'était pour rappeler, nous les métis à l'époque, ou même les Renois, on n'avait pas de buzz à l'école primaire. Vraiment, il n'y avait aucune meuf qui voulait de nous. J'en voudrais toujours à Clara Nicolas. Tu sais, j'avais une meuf frère. Je suis resté deux jours avec elle, Clara Nicolas. Et tu sais pourquoi elle m'a quitté à l'école en primaire, en CM2? Eh, je lui ai fait un bisou sur la joue. Et en primaire, c'était une dinguerie faire un bisou sur la joue. Elle m'a quitté pour ça. En plus, ça s'appelait Clara Nicolas. Moi, quand t'es marié avec elle, il m'appelait Nicolas, tu vois. J'avais un vrai projet, je te jure. Ouais, Nicolas, ça pète pas sa mère, c'est trop stylé. Moi, juste le que step. Merci. C'est juste ça? Juste ça. Refais, tu sais que c'est toujours la gauche qui pose souci. La gauche, tu laisses ta plante de pied au sol. Marche, le que step. Pour samedi? Hein? Ouais. J'aime trop les gens bronzés. Ouais.
Manucure aussi, je fais un manucure. Vernis transparent. Tu sais que les ricains, ils font des manucures. Non, là, pour le coup, c'était vachement bien techniquement. Maintenant, je vais prendre plus de quoi ? De chaud. Ouais, ouais, ouais. Ok ? Pas pour ça, la danse. Je sais pas, c'est une danse. Ça a pas de nom. Ça a pas. Faut qu'on dépose un brevet dessus. Là. Mais c'est ça, c'est quoi ? En mode, ouais, c'est vrai, c'est gaz. Non, un peu. En fait, c'est des mini claques, des claques en wifi. Au lieu de faire ça, quand tu tournes. Oui, ça c'est les photos. Première miniature. Oui, mais fais ça, je veux. Écoute, regarde. Tout ce que tu as fait, tu es en train de me montrer tout ce que tu n'as pas intérêt à faire. Et tous les gens qui pensent que Elsa boit un verre d'alcool, c'est vrai l'équipe. Les entraînements pourraient les mettre. Je suis portée, je suis obligée. Du pur en plus, hein, du pur. Là c'est porté. Michou il m'a dit un bleu, c'est terminé la dalle. Tapez la G-Shock, mais ne vous inquiétez pas, elle est solide. T'as failli lui faire plus qu'un bleu. Deux bleus ? Encore, moi, ce qui me dérange, c'est pas que Elsa meure. C'est surtout que j'ai pas de danseuse après, quoi. Faut que je rame. Tu vois ? C'est ça qui est relou. Pas vrai ? Non ? J'ai l'impression qu'elle est pas d'accord. Enfin, tous les portraits que vous avez vus, là, qu'on avait commencé, c'est pas bon. Et j'arrive pas, les mecs. Pourtant, je suis inscrit à Fitness Park et tout, mais vu que j'y vais pas. On va laisser ça de côté, on a trouvé un autre truc. Et... Attends, je vais voir. Super, tu m'assois en vélo. Et ça, et maintenant je suis. Wouh ! Ah, tu voulais faire une roue ? Non, vas-y, récupère mes deux jambes. Bon, là j'ai fait le porté et tout. Bah, y a peut-être un moment où j'ai dû forcer. Y a un petit pic qui est sorti. Mais en discret, frère. En discret. On l'a pas capté. Heureusement qu'il y avait le. Tu vois. Mais voilà, faites attention les mecs. Si vous avez envie d'envoyer, bah, faites pas des portées avant, quoi. Là c'est bon, je suis rechargé, plus de gaz, mais c'est carré. Ah ouais, attends, je te montre un truc vite fait. Vite, là, on est dans un endroit discret. C'est bon, je reviens. Donc en fait, on est là. Ouais. Tu lâches mes jambes et tu les envoies de l'autre côté. Tu récupères mes jambes. Ok, ok. Super, c'est ça. C'est bon, là. Et... Non, mais il est super. Et tourner, tu vois. Ah, et ici. Ouais. Il faut vraiment que je m'arrête et que je cale, tu vois. Ouais, du coup, c'est pas fluide. Le timing pour faire ça et d'un coup avoir genou dans. Ouais, voilà. Tu loupes, t'es en mode juste. Elle va montrer ses demi-chou. Elle passe par là, c'est par là-bas, ici, un machin. Serpent, alors, c'est... Je sais pas comment elle fait. C'est quoi derrière ? Je sais pas. Je me demande s'il a pas fait une greffe. C'est pas parti, ça a pas fait un petit voyage. Pour moi, là, c'est greffe de cheveux, ça. Aussi net, avec des cheveux fins devant. Là, non, ça c'est naturel. Ah, remarque. Par contre, ça c'est des facettes. Ça aussi. Ils sont modifiés, les stars. Pas de modification. Bon, il est sincère, lui. Il est sincère de fou. Voilà, c'est pour ça qu'il est pas connu. Pas une star. Il fait peur quand même, lui. C'est qui ? Le danseur, en tout cas, on l'a plus revu à danser avec les stars. C'est pas étonnant, il doit être en prison pour pédophilie. Lui, il est connu. Facette de baiser. Il avait pas encore Pavlov à TF1. Hein. Regarde le montage là. Non, pas facette. Facette, je crois. Facette. Ouh, vrai dent. Ça, c'est vrai dent, mais le maxi sourire. Alors, lui, je peux t'assurer que c'est pas des facettes. Par contre, fauve, machin là, ça sourit hein, par ici. Les premières répétitions de danse avec les stars d'internet, on y va directement, on va s'échauffer. On va bombarder pour que samedi pour le prime, on soit notre prime. Ouf, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. C'est vraiment la chienneté. Hein. Vous pouvez rentrer comme vous voulez, par contre, ici. Hein. Vraiment, c'est. On va aller voir Michou. Le gout. C'est quand même pas mal les mecs, t'as vu, moi je fais la télé maintenant, moi je fais la télé. Oh, Nico il fait des TikTok, il est pas drôle, il va jamais percer. Bah au moins je suis là, je suis invité là. Et toi t'es où ? Hein ? Vous allez être choqués. Vas-y tourne la caméra. Oh ! Ah ouais c'est normal pour moi, c'est normal. C'est à quel moment qu'on arrive avec le scooter là ? Je sais même pas si on arrive avec le scooter. C'est à quel moment qu'on arrive avec le T-Max ? Mais c'est sûr ça c'est validé ? Je sais pas, faut pas voir. Ouais, je pense pas. Hein. Je suis pas sûr. En tyrolienne au pire. Je suis pas sûr. Non mais en termes d'assurance, ça fonctionne. C'est quoi en termes d'assurance ? Je prends avec ma mutuelle, t'inquiète, Un véhicule motorisé sur un plateau, ils ont pas le droit. Elsa ? C'est. Dire que Michou il a dansé là ? Non, c'est pas ce plateau là. Y'a qui a dansé là ? C'est la première fois qu'on est sur ce plateau. Putain. Bah un plateau, y'a aucun buzz frère. Je vais aller tester la cool site avant tout. C'est quand même pas mal en vrai ici hein. Bon courage aux autres hein. Moi je serai posé ici de toute façon. Comme ça.
Les petits clins d'œil à Chris Marquez, à Fauve. Personne qui m'écoute, hein, j'ai aucun buzz. Voilà les mecs et les meufs et les non-binaires et les LGBTQ+, on inclut tout le monde. Là, c'est le moment d'aller choisir la tenue pour demain. Salut chef. Salut. Ça brille, ça tape. C'est mieux celui-là, ouais. Celui-là ? Ouais, c'est bien. Oh. Ouf, voilà, je me sens pas invincible là. Je suis habillé comme la crime là. T'as quoi ? Je me demande si ça marche avec moi. Tais-moi pour se faire grossir les L, M, S. Bah alors les mecs, une machine de guerre aujourd'hui. On remonte le futal. Du côté ton mec, regardez mon sang. Danse avec les stars. Là j'arrive, entrée machin. Quand c'est les gars serrés des meufs, les meufs serrés des gars, et ça, la night. Ah, flatté, je t'ai mis une fin. On a testé les habits. De toute façon, le flow, c'est pas ce qui va jouer. Moi, c'est surtout sur l'attitude, les petits regards caméra, le mordiment de lèvres, quand il y aura un peu les flashs, le petit regard un peu, tu connais. On se retrouve demain pour le prime. On va casser ça. Allez, à bientôt, l'équipe. Après tu peux les jambes en mode mignon et là. Encore okay, ça va, j'ai géré, je pense. Les amis, on va se faire la mécanique globale avec le lancement de Michou. Voici l'épreuve du face à face. On ira l'ami ennemi, ya. On ira l'ami ennemi, ya. J'ai les poches pleines, tu me suis, j'ai fait le calcul depuis le calcul et lui, ya. Tu dois descendre. Je peux aller chercher de l'eau, je reviens. Ouais, vas-y, attends, j'en ai la et Elsa Bois. Voilà. On va aller faire la répète de la danse officielle. Celle qui devrait nous amener là-bas, là, en cool side. Mais bon, niveau, c'est pas trop ça, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Alors, Nicolas, tu fais ta tenue ? Ouais. J'ai gavé, putain. Je suis pas sûr, je crois qu'on débute comme ça. Bah en fait, faut attendre le retour d'Elsa. Ok, bon, on attend. Parce que Elsa, elle m'a dit, ouais, face à la cam, sur le côté, derrière les jurys, dans le pub, j'ai pas capté. J'ai pas tout capté. C'est beaucoup de pas comme ça. Du coup, avoir les chaussures à Lukaku, c'est pas pratique. Et bah, change. Faut voir si faut pas avoir des chaussures plus courtes. On va te les changer après. Là, ouais. Tu répètes avec celle-ci. Et après, ouais. On va. Ok, celle-là. Toutes les excuses sont bonnes. Ah, je préfère le dire à l'avance. Hop. T'as eu ou pas les pas? Allez Elsa, s'il te plaît. Ah oui, elle s'est changée, merci d'accord. Beaucoup. Ok pour vous. Nico Fred, vous êtes bon. Alors Nico. Coucou. Est-ce qu'on pourra avoir le micro de Michou, s'il vous plaît, en plateau hein? Merci beaucoup. Voilà, la première Corée, c'était trop rapide, trop de puissance, trop de. En fait, faut que je souris, mais en fait, faut un sourire de Gollum. Voilà. Tout le temps heureux. Toujours heureux, c'est ça. En plus, c'était le faire le sourire de Gollum. Ouais, franchement, c'est mon prime, ça. C'est le prime du sourire. Divertissement. Ouais, c'est vrai. Et Elsa qui dit on s'en fout de la technique, c'est que tu dois être vraiment bas. Non mais c'est ah ouais. Normalement elle dit pas ça Elsa. C'est vrai qu'elle joue plus quand même sur mon côté divertissement. Et la technique t'oublie. Tu sais que je suis arrivé, c'est exceptionnel. Je suis arrivé, j'entends, sur un cha-cha. J'ai eu les frissons. Même moi. Tu m'as mis les frissons. Non, j'ai envie de snapper moi en scred. Vas-y comme ça. Attends la musique. Boum, chemise. Sur un cha-cha, Nicotine et Elsa Bois. Bah, c'est plaisir en tout cas. T'as récupéré ta caution finalement. J'ai tant deux. Oh Chris, bah, t'as pas fait de talon pour ça. Il y a encore quelques petites erreurs de timing et surtout quand t'es tout seul, t'es trop figé. Amuse-toi un peu plus, t'as tout le temps la même expression, tu vois, sur cette partie-là. Et en fait, j'ai du mal à trouver le truc parce qu'en gros, j'ai l'impression que je vais trop lentement. Mais et d'un coup, après, je vais vite pour rattraper le retard que là, j'ai. Là, c'était bon le timing que t'as fait. Genre. Et tes yeux. Voilà, je veux ça. Ouh, voilà. Oui, je veux ça. Là, tu vois, là, on est derrière notre écran, on se dit ouh. Mais carrément, je pense. J'arrive.
et je m'arrête sur ça, non? En vrai, je le comprends, quand tu t'entraînes, c'est dur parce que t'es tellement concentré sur ton bac. Si tu fais ouf, tu fais n'importe quoi avec tes pieds, t'as toute la journée dans son prix. Limite, calme-toi. Ça va manger assis. Quand je regarde les gros plans, je regarde ma gueule, je me dis, je chie un coup, mon gars. Est-ce que toi aussi tu rêves de te tcha-tcha un peu? Non, putain, j'ai fait un putain de rêve, je m'en souviens plus. Ça avait rien à voir, il était à Carrefour, il a acheté des bonbons. Non, même pas, j'ai pas l'argent, donc j'ai volé. Non, attends, je sais plus ce que c'était le rêve. Mais... Ah. Les gars, évolution de la blessure d'Elsa. Hein. Elle a ça des flashballs, elle a fait une manifestation. Elle s'est pris 6 flashballs dans le dos. Oh lolo. Ah ouais, non, ça c'est terrifiant. Voilà les mecs, on est dans la loge. Enfin, je sais pas si c'est une loge ou on est chez un barbeur. Là, j'ai l'impression qu'on va faire un taper ici. On a fini les répétitions. Là, on va les manger. Les habits, on les laver aussi. Parce que la veste de sudation ici. Ouf, ouais, je vais tuer des gens là-bas. Je tue des gens dans le public. Après, c'est le moment du prime. Hein. C'est le moment d'éclairer un peu. Mettre la lumière un peu sur Sevran. Comme on dit. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est juste que je voulais voir. Je ne peux pas faire la phase qu'on a fait hier avec à te chercher pendant 3 heures un pantalon. Essayez si jamais je reste. Enfin, je vais vérifier qu'il y a un pantalon qui te va. Ouais, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Et les chemises, bah pareil, si tu peux l'enfiler par-dessus, on voit si c'est. Juste qu'on est sûr, comme ça on a quelque chose qui. Ouais, Pardon, j'étais en train de contracter, j'ai pas fait exprès. Genre mi-serveur, mi-street un peu. Ouais, bah là on est un peu au midou quoi. On va enlever la paire de gros là de racistes. Hein. C'est mal fonctionnement. Il y a des lacets et un scratch de con, on sait pas pourquoi. C'est mort frère. C'est mort. T'es moi. Wesh, c'est quoi c'est. Tu vois si je me baisse comme ça. Oh, y'a plus de pantalon. Y'a plus de pantalon. Mais... Non, mais là, celui-là, il est trop. Ça, c'est. Non, vas-y, enfile celui-là. Non, j'ai essayé en lui en premier, justement. Théma, c'est rien de baiser, là. Franchement, ça passe. Mais arrête, non. Oh, là, je suis. Ouais. T'as vu Non. C'est vrai que voilà. Oh, mais en fait, je devrais danser en chaussettes. Ouf. Hier, j'ai vu, ça a dansé pieds nus. Ouais. Ça a dansé pieds nus, frère. Je comprends pas. Le RP Bob Marley, j'ai pas compris. Vous en pensez quoi du. T'en penses quoi du t-shirt en vrai? Après, il y a ce qu'il y a à l'arrière, t'en penses quoi? T-shirt Hugues Impact, voilà, l'arrière, nique les salopes qui parlent en scred. Si le savoir est une arme, eh ben nique ta mère. La rue, c'est dangereux, poteau. Le monde appartient à ceux qui lèvent le Yamaha 4-temps. Nique la canine et les stupes. Câlin qui s'y frotte et frite. Plan 8 bien servi. 8€ le gramme, 06,83, 64, 78, 93. Son numéro? Non, je pouvais mettre le mien, mais je me suis dit, ah, c'est peut-être pas le bon move de mettre son numéro, non? Bah, je sais pas, tu vends, non? Non, moi je vends du plaisir. Enfin, je suis pas une prostituée. Non, je vends du bonheur. Ouais, je me déshabille. Bon, les mecs, je dois me déshabiller. Je vous laisse. Ah ouais? Ouais. Il est temps. Je vais me rhabiller en moldu. J'ai dit, en gros, pour moi, c'est un barbeur. C'est-à-dire que tu viens ici, tu te cales là, et t'envoies ton petit shampoing. Après, il te fait un taper. C'est gratuit ça. Pas mauvais hein. C'est quoi ça, barre de fruits secs, machin, c'est la loge à Bilal Lassani ou quoi là? Mais t'es des vrais trucs là. Coca zéro alors que je boycotte. Par contre, sopalin. Il y a peut-être moyen que ça s'envoie dans la loge. Parce que la loge à Christina Courtois, elle est encore ouverte. Elle a la clé elle au moins, moi j'ai même pas la clé frère. Il y en a qui ont du buzz ici, hein. Il y en a qui ont du buzz. Ouais, mais moi je fais les règles du shopping. Bah ouais. Moi je fais des TikTok, ok. Et j'ai pas le droit d'avoir une clé. T'es mort en plus. Le pull, Guess, Louis Vuitton ici, momie. C'est que dans le Paris, les mecs, c'est que dans le Paris. Je fais des gestes un peu énervés. Je vais aller manger. Eh ben non, pas de clé. T'as déjà vu des vols de téléphone? Attends, j'ai pas vu d'arabe. Enfin, ah c'est bon, il est là. Quand même, on vit bien quand y a pas d'arabe. Ouais, les mecs, là, on remet les double montres. Tout le monde me demande, ouais, Nico, prends deux montres. Enfin, ils disent plutôt deux montres, pas deux mondes. Mais une pour la France, une pour Los Angeles. Ouais, mais Nico, t'es jamais allé à Los Angeles. Et alors? On n'a pas le droit de se renseigner sur l'heure des autres? Bah ouais. Moi, je le fais. Là, c'est un peu les backstage de TF1. C'est où, en fait? Je comprends pas ça. Mais ça, c'est un brouillé ou? Pourquoi il est brouillé comme... Wesh, il est noir de baiser. C'est un brouillé sénégalais celui-là. Alors là, pour les caméras, ils ont enlevé.
Mais je vous dis qu'après le prime, ici, c'est rempli de Poliakov et de whisky. Ils se la démarrent à TF1. Ils ont bien raison, enfin ils se font plaisir. Ceux qui aiment l'eau gazée, gazélifiée, là, je sais pas quoi là, l'eau gazeuse, à plus de 18 ans aussi, vont finir raciste plus tard. Ouais, tu vas finir raciste. Bon. Alors qu'est-ce que c'est au menu? J'ai pas lu, j'attends que vous... C'est quand même pas mal les mecs, hein. C'est quand même pas mal. Vous voulez un peu de sauce sur les pâtes? Oui. Attends, mais comment ça, t'en as deux? France, Los Angeles. Et t'as un Gaulmont jusqu'où? France, Los Angeles. J'ai l'heure de Los Angeles. Pour les caméras. Non, pas du tout. C'est juste, c'est important d'avoir l'heure partout, non? Elle est en train de te cracher. Quoi? Franchement, les entraînements, c'est pas facile avec lui. T'es en train de débarquer la marque là. Fallait prendre des cuillères et des fourchettes et des couteaux. Par contre, ça se voit, Elsa, t'as pas de sang africain. Normalement, tu manges même les os. Ah ouais, désolé. Je vais vous montrer. Même les os. Faut avec Michou. Après, il faut qu'il danse, ouais. Mais sinon il déchire. Mais je te reconnais dans tes yeux que tu te chies dessus, frère. Non, je te va faire caca et reviens. C'est déjà fait déjà. Ah ok. C'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. Tu vois? Ils ont tous des trucs. Let's party. Ils ont des néons LED. Ils ont tous des néons LED. Bon, on va bientôt aller faire le HLC. Ouais. Cheveux, toi ça va, t'as pas grand chose à faire. C'est-à-dire dans le sens où j'ai un début de calvitie, tu parlais de ça? Non, pas du tout, dans le sens où ils sont assez courts et que à part si on te faire une crête rose, non, je pense qu'on a pas besoin de faire... Un petit peu là, refaire propre. Moi j'ai besoin d'être propre à la télé en fait. Alors je sais pas s'ils font la barbe ou quoi. Hein. Je suis pas sûre qu'il y a un barbe. Ah ouais? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où il va aller ce billet? C'est ça. Donc tu veux que tu changes rien? T'as vu la table? Ouais. Elle est vide. Et au moment où je vais passer, je vais la remplir. Donc vas-y, on fait comment? Avec ça. C'est tout? Hein? Avec ça, t'as un. Pas assez. Déjà, c'est déjà peut-être plus que, ce que je devrais recevoir normalement, non? Je peux avant le HMC, je peux envoyer un petit peu de chouchou? Que mon beau-père travaille la fête foraine là-bas. Avec le truc? Non. Ah merde. Ouh! T'as vu? Ouais. Salut Greg, ça va? Est-ce que tu fais la barre ou pas du tout, toi? Mais dès que j'ai fini... Que je te la remette en place. Ouais, retracer. Ah mais y'a Elsa aussi! C'est des ouf. C'est simple, quand c'est le danseur qui vient. Ouais! Regarde, elle bouge à... On analyse un peu la concu avant regarde, de partir. Il est en mode, tu démarres quand je démarre. Je démarre quand tu démarres. Mon petit ah, il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Aïe. Nico, oublie pas que c'est ma sœur. Hein. Mais même éliminé, ça restera toujours ta sœur, c'est pas grave. Non, mais... C'est pas un souci, ça. Bon courage. On croirait voir un pervers. Oui, je suis pervers. Oui. Ouh. Ça fait pervers. Ouh. Et les mecs. Voilà, ça c'est les. Danser un peu ou pas les danseurs. Voilà. Dingue. Ah, ils vont te porter en l'air. Ils vont te monter en l'air. Ça fait du cha-cha ici au plafond. La chance! J'ai accès au compte de Michou. Chaîne Nicotine. Allez, on va danser. Allez. Sur une valse, Michou. Autorisé les notifications. Et voilà, le Michou s'est abonné à moi tranquillement. Business is business. Moi, si j'avais une meuf, j'aurais fait ça. Ils sont trop bons, j'ai créé un compte Michou Elsa fan moi aussi. Le seul qui manque frère. Le seul qui manque c'est Nico. Il est aux toilettes ? Ah merde. Il manque que le mien en fait. Nicotine et Elsa Bois. Et on va l'exploser. Ah c'est le live Twitch, ça va. Ils t'ont déjà éliminé. Ça va voter. En vrai ouais, ils t'ont déjà éliminé là. Ah c'est le pilage du deuxième live. Ah j'ai oublié de participer. Non, je pense que mais attends, mais de toute façon c'est pas le live, je suis con. Ben non.
Ah là là, j'aime bien ce que vous commencez à s'habiller. Le concours de classe. Le concours de classe. Allez, viens, petite classe de France. Oh Nico! Allez. Oh là là, ce look! Va un peu dans le pas. Je te montre le pas? Ouais. Magnifique. Mais tu crois qu'il va pas être calé celui-là maintenant? Non, si tu cales un dab, je te respecte. Action! Bon, bah, prépare-toi. Prépare-toi! Ah, c'est signé. Tu vas remettre un petit coup de la vélo avant que ça commence? Ah ouais, elles sont parties, je crois. On a un coup de la vélo là parce que. Bah, c'est terrible parce qu'il y a un peu de niveau d'élèves. La marée basse, tout du sel, tout sec. Voilà, on est paré. Tu sais pourquoi j'ai cette veste fermée? Parce que quand j'ai arrivé, je fais ça. Ok. Ah, déjà 10 points pour moi, minimum. Parce que c'est les doigts, c'est le problème. Il est bon. Tu vois? Excellent. On dirait aux toilettes. Ah bon? Y'a que moi ici. Est-ce que ça va déchirer la feuille? Non. Non, mais pas. Oh la classe, frère. J'ai une paire de reprises juste ici. Après, je change. Ah la chambre. Je te les prends juste après, en fait. Ah ouais. Ah vraiment, la paire à la crime. Ouais, ça bouge. Oh, on dirait on est en 2010. Bah ouais, c'est la paire à la crime, frère. Ouais, c'est ça. On a mis la veste, on va la déboutonner un petit peu parce que on commence à sentir un peu le rat. Mais venez me supporter les mecs, on va le faire top 1 aujourd'hui. Bon, j'avoue qu'il y a du niveau quand même, mais on va le faire, on va essayer de pas être éliminé déjà. La semaine prochaine on revient. Et si je joue pas ce dimanche, je reviens, je suis là. Donc réagissez à tout ce qui se passe. Encore une fois, vous faites l'émission avec nous. Là les mecs, c'est le moment, dans pas longtemps. Le cœur y bat, mais tout le reste il va y être. Ah, j'étais obligé de roter les mecs. Ok les amis, on va se cacher un peu plus. Pendant la durée de l'émission, pendant la durée du show. En vrai, je me pose une question. Est-ce que j'ai été pris pour la parité au niveau de... 8 candidats avec leurs danseurs, avec leurs danseuses, qui sont ici à votre porte. C'est quand même pas mal les mecs, c'est pas mal. Avec les chaises. Oui. Moi, je veux aller le plus loin possible et je veux surtout bien apprendre, bien faire. Il y a beaucoup de boulot, ça c'est sûr, mais il y a du potentiel. Et en plus, il a envie de bien faire et c'est ça le plus important en vrai dans ce genre de programme. Sur un cha-cha, Nicotine et Elsa Bois. Incroyable. Ouais,
chauffeur de salle. C'était incroyable, franchement. Bon, les juges, vous avez pensé quoi de Nico? Je trouve que t'as du groove, donc t'as un talent pour aller trouver du rythme et avoir un flow. Faut que tu fasses attention à une chose, il faut que tu t'engages plus dans la danse. Dès que t'étais pas avec Elsa, immédiatement tu sortais du rythme. Parce que sinon, je trouve qu'il y a quand même un flow, il y a quand même une approche. Et j'ai envie de te dire qu'avec les répètes que t'as eues, pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Mais ouais, c'est très bien. Moi, ce que j'adore, c'est que tu mets tes skills à l'intérieur de la danse demandée et c'est ça qui te sauve. T'es pas au courant de ça, mais ouais. Bah si, tu vois, tu fais clac, clac, bam. En fait, du coup, c'est funky, c'est, tu t'amuses, tu joues et t'es en train de jouer. Bravo. Bravo, Nico. Trop bien. Trop bien. Après, si jamais, pour motiver, j'ai quand même préparé un petit truc, moi. Pour arrêter de soudoyer les jurys, vraiment. Excellent. C'est quoi ça, Nico? Mais franchement, pour le peu de taf qu'il y a, c'est énorme. Énorme. Il y a un peu trop d'argent en jeu là. J'ai un paquet de chewing-gum si jamais. Merci. Les juges ont attribué leurs notes. Jean-Marc Généreux. Alors, être le partenaire d'une partenaire aussi endiablé avec une énergie de cette qualité. On voulait la note, Jean-Marc. Ouais, mais tu m'as dit mon commentaire pendant la note. Il faut faire attention parce que moi j'en ai long à dire à ce mec parce que je le respecte beaucoup. Mais cela dit, c'est un 5. Oh. Sympa, c'est ça, c'est la moyenne. C'est sympa. Faux voto. Moi c'est un 6. Bravo. Mel Charlot. Moi c'est un 5. Chris Marquez. Ça va bien se passer, c'est un 4. Aïe. 4 de crise. Carlito. Une belle attitude, un 6. Merci. 26 points au total. Le concours de portée. Voici l'épreuve du face-à-face. Nicotine, Elsa, c'est à vous! C'est notre juge invité qui va te l'annoncer. Évidemment, Carlito, je veux que ça soit toi. À l'unisson, enfin du coup, on est tous unanimes. L'humain que nous avons décidé de qualifier pour la suite... Je suis stressé pour eux. ...est Natou. Natou et Anthony qui continuent l'aventure. Ça crie de joie, ça crie de joie. Bon, pour l'instant, on va laisser un peu. Nico le Bouzeux, venez. C'est pas facile, je suis dégoûté pour vous. Nico, un mot? Bah écoute, au niveau des pas, tout ça, c'était pas trop ça. Il y a 3 jours, dis-toi, je suis tombé tout seul, à mon grand âge, 24 ans, pour te dire comme quoi la motricité, c'était pas trop ça. Après, j'ai envoyé mon meilleur logo bien, je me suis entraîné 30 minutes. J'ai envoyé ma meilleure vague. Le corps, il a été choqué carrément, ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti. Malheureusement, on élimine les deux bois. La famille qui va partir en vacances. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est vrai que... Vous avez éliminé ma copine et ma belle-sœur. Les gars, compliqué là. Bah les gars, merci de m'avoir suivi les mecs. C'était dur le tcha-tcha, mais on les a fusillés sur le face-à-face. Pas un qui se mettait à ma cheville, mais bon. Malheureusement sur Twitch, il est votre Twitch, donc la communauté elle emporte. Franchement, j'aurais pas démérité de l'emporter sur ça, mais bon, je pouvais rien faire. Bah voilà, hein. Merci les mecs d'avoir suivi ça. Merci à Michou de m'avoir donné cette opportunité, c'est vraiment lourd. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce vlog aussi. Je crois que c'est l'une de mes premières vidéos YouTube, si ce n'est la deuxième. Merci vraiment à tous, ça fait trop plaisir. L'ascension que j'ai en moins d'un an et demi. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la team. Oh.